the cake incident. I feel so safe in your silence, protected in this timeline. The truth bleeds out, even when I do not seek it. I feel so outside the timeline, spread across the infinite. The me that existed, exists, is existing, will persist. I feel the weight of knowing too many things, pieces I cannot quite fit together. I spent the last years learning to read the signs, how the leaves fall from a tree, how the street lights whisper to me, and feeling when something changes, like a train track lover pulling us away and together and away. Qu'est-ce qu'un oiseau sur une branche? C'est un porte-plume sur un porte-feuille. Allez, qu'est-ce qui va se passer, quoi? On se débat, tu vois. Et ça t'avait dans des trucs improbables. Ouais. On est d'accord. Je connais la blague du mec qui rentre dans un bar. Ouais. Et en fait, c'était pas lui. Et plouf, et il s'assoit et il meurt. Tellement de gens qui nous ont aidés quand on était en... Cette semaine sous le signe de l'amoureux commençait avec Gauthier, un habitué du voyage que la famille tout entière avait suivi dans ses périples. Il va falloir que tu fasses un choix d'ici peu. Ouais. On va arriver au péage après. Alors soit tu me laisses là, soit il m'invitait à manger et passer la nuit chez lui en campagne d'Aix. Quoi, on part? Si t'es marin, tu dis c'est l'appel du large. Si t'es randonneur comme nous, tu dis c'est l'appel de la montagne. L'appel de la montagne ou d'aller voir ce qui se passe derrière la colline. Il y a quelques mois, je faisais pas ça, quoi. J'avais pas une vie de recherche de relations. Et là, je le fais en essayant un peu aussi de me convaincre que c'est pas superficiel, malgré que ce soit pas forcément pérenne. Cette famille unie et accueillante s'était constituée sur des valeurs communes de voyage et d'ouverture à l'autre, tout en cherchant à s'écarter des contraintes de la société et du vivre ensemble. Bon, on fait une halte à Aix-en-Provence, c'était pas prévu, mais Gauthier qui m'a pris en stop habitait pas loin. Maintenant, je vais aller prospecter un peu avant de finir à Marseille ce soir. Vu que je sais pas où je vais, je me dis que je m'arrête quand je trouve un lieu avec un nom un peu de love, quoi. Et que je vois un lieu qui a un nom un petit peu d'amour, je m'arrête. Tu sais pourquoi je me suis arrêté ici? Pas du tout. Parce que je me suis dit, je m'arrête au premier lieu où il y a un truc un peu d'évocation d'amour, tout ça. C'est le genre de mode de vie qui me plaît, ouais. Ce mode de vie d'errance et d'intuition me poussait à la rencontre, notamment avec des personnes que j'aurais probablement exclues par méfiance ou individualisme, mais qui recherchaient la même reconnaissance et l'inclusion que moi. On se prend pas la tête et qu'on vit mieux, quoi, c'est trop cool. Je me brûle, mais je suis en nuit blanche, moi, à la base, je bois du chic, je bois ça. En fait, ça change beaucoup de paramètres, tu vois, genre la notion du temps, de rapport aux gens et tout, tout est un peu différent. Je garde des traces des gens que j'aime bien. Bon, je suis pas un enfoiré. Non. Ce qui m'est arrivé encore pire, un mec en chaise roulante, il passe, il prend carrément le chapeau avec toutes mes pieds. Super bien. Ah bah c'est gentil. Super bien et continuez. Merci. Je fais quoi moi? Je me dis, je fais quoi là? Je le tape ou... Bah non, il est en chaise roulante. Donc je l'ai laissé partir avec mes sous. Non, j'ai une super voie. Ah bah c'est gentil. Ben ouais. Après ma halte à Aix, je prenais le train pour Marseille, où j'allais rejoindre mon demi-frère que j'avais pas vu depuis 15 ans. Dans le train, je faisais aussi la rencontre d'une Américaine que j'allais revoir, simplement parce que je décidais d'engager la conversation avec elle. Ah là là. T'as toutes tes affaires? C'est bon, j'ai tout. Non, j'ai pas tout du tout. J'ai oublié l'enceinte. Pourquoi tu viens parler à une fille? La rencontre avec Jade était déjà singulière, et nos conversations allaient nous surprendre de multiples coïncidences. I actually came to Italy for a wedding. I was the officiant of the wedding, so it was my friend's wedding. You were wedding people? Yeah. I used the tarot cards, and you know them, right? Yeah. Actually, I brought mine. Oh, that's great. I got them in Milan. Every city I go to, I use one of the cards as the basis of the intention I want for this week. That's awesome. What was yours this week? This week is the lovers. I knew you were gonna say that. Yeah, and you just told me that you were wedding people. Yeah, I just knew you were gonna say it. Okay. Yeah. All right. Nice to meet you. Nice to meet you too. Je me retrouve ainsi passé de longues heures sur mon fil d'actualité.
Désormais, je ne suis plus surprise par ce faux visuel. Faut-il le rappeler que la vie bohème se vit? Elle ne s'exprime pas à travers un visage qui en joue, une veste que l'on porte. Nos errances existentielles nous avaient poussés à nous rencontrer. Deux poètes tireurs de cartes, marqués par le deuil et les peines amoureuses. Les similitudes de nos expériences étaient très étranges. You're solo traveling as well, as am I currently, and it can get really existential. I spent like a year solo traveling before that. So I just moved back to LA like over the summer. The night has been long, my head barely above water. Where did the angels go? That's what they do, they retreat. That is how you wash a heart, the descent to the bottom, to certainty about my purpose in this world, or rather, this world's purpose in me. Do you feel like some of the things you wrote come true? If you're the only other person who I've ever heard say that. And you read tarot, so. Après la rencontre avec Jade, je retrouvais mon demi-frère, avec qui j'avais décidé de reprendre contact à la mort de notre père. Il avait aussi traversé des peines de cœur douloureuses à la même période, et sa confiance en l'autre avait été remise en question. Si tu vraiment tu as ce feeling avec une nana, oui. On se pose pas en fait, c'est une évidence quoi. Oui, t'as pas besoin de mettre des freins en fait, et de dire genre je veux plus écouter mes peurs de reproduire des schémas que de en fait tenter un truc quoi. Ah, c'est clair. Le concept qui est censé se lancer hyper rapidement, comparé à PS5 et en fait. Entre deux parties de jeux vidéo, Olivier me donnait ses impressions de Marseille. Un joyeux bordel où le chaos des relations humaines se retranscrit dans tous ses extrêmes. Là, dans la débrouille, tu les vois, ils squattent dans des endroits de fous. On laisse tout faire, en fait. Il y a un gros mix social qui est trop bien. Vraiment des gros écarts entre les populations. Il y a une vraie fracture parce que tu passes deux rues et t'as toujours l'ambiance. Toute une fracture comme ça, ça peut être assez déroutant. Et les gosses qui jouent là dans des mares de pisse, de pétrole et tout. C'est hardos, quoi. Je compare souvent ma vie à une petite fenêtre sur le monde tel qu'il est, tu vois. Si t'arrives à prendre la claque que tu prends à Marseille, mais vraiment en allant chercher dans les endroits comme ça où tu prends ta gifle, comme quand tu vas en Inde, quoi. Bah ça t'aide, en fait, je peux voyager partout. Et du coup, quand je suis arrivé, littéralement la première personne à qui j'ai parlé, vraiment, tu vois, en sortant du train, parce qu'il y avait une meuf à côté de moi, bon, je suis un peu tombé amoureux. Chaque interaction enfonçait le clou de ce lien mystique entre les événements. Elle était en Europe parce qu'elle revenait d'un mariage en Italie où elle a marié des gens, tu vois. Ah, c'est chaud quand même, ça. Et après, toi, tu te mets à chanter et t'es là, genre, mais à la maman, tout ça. Moi, j'ai pris un train au pif, et elle pareil, en fait. Après, bon, bah, l'amour, tout le monde écrit des chansons sur l'amour, on sait pourquoi. Ouais, mais il y a l'amour et l'amour, tu vois. Moi, je fais plutôt de l'écriture automatique. J'ai du mal à reprendre un texte une fois qu'il l'a écrit ou des trucs comme ça. Bon, c'est peut-être que t'as aussi les bonnes intuitions en direct, au final. Ouais, peut-être. Dans ce chaos relationnel où tout est possible, je me laissais de plus en plus guider par une intuition quasi absurde. Une quête de signes qui m'indiquait une voie que je n'avais plus à définir moi-même, mais seulement à suivre. Mes efforts de rencontre m'ouvraient des portes et de nouvelles manières d'être. Violette. On voyait notamment Clara, que j'avais découvert à Avignon la semaine précédente, et qui me faisait découvrir Marseille. Que tu me fais découvrir un truc. Mais que je guidais aussi avec ma propre intuition. Un petit message d'amour aussi, j'essaie de tout se capter, tu vois. Ça te dit, on se pose là, peut-être? Pose là? Je sais pas, ouais. C'est pas mal, hein. Une dame qui était demandeuse d'asile. Et elle voulait pas que je le filme, le gamin. En rentrant par hasard dans ce magasin, je découvrais Gabriel, que je retrouvais plus tard le soir. Et je me suis engueulé par mon patron parce que non, mais cette scène est magnifique, pourquoi tu l'utilises pas et tout. Il était reporter et mon petit doigt me disait qu'on pourrait échanger. J'ai constamment pris en tension sur une forme de normalité, plus ou moins.
que t'as quand même besoin de faire société. Ce monde qui va vite et on ne convient pas, quoi. On est quand même dedans et on ne s'est pas complètement mis de côté. On n'est pas sorti. Mmh. Encore. On est pas encore. Mais effectivement, du coup, il y a ce besoin aussi de, je sais pas, de m'aider qui est bon. Donc effectivement, après, au bout d'un moment, la question, tu ne vas pas pouvoir changer le monde, mais... potentiellement, c'est de ne pas y participer, toi. Moi, je veux juste prendre une péniche et aller filmer des gens sans dents, tu vois, dans le... J'étais en train de jouer dans la rue, tu vois, je chantais, et il y a un mec, plutôt SDF, qui vient et qui m'emmerde un peu, tu vois. J'aurais pu le percevoir comme ça. Minute de silence pour Macron qui va crever. Allez. En vrai, j'aurais été dans un mauvais jour, ça aurait pu mal se passer. Et je me suis dit, bah, je vais lui offrir, tu vois. Je vais accepter... ce moment d'échange qu'elle veut partager avec moi et voir où ça nous mène. Qu'est-ce qu'un chauve avec une casquette ? C'est un chauve avec une casquette. Les valeurs, c'est l'amour. Et, mais sans déconner, je pense que ça devient la valeur primordiale que j'essaie de mettre en œuvre. À partir d'un prisme différent où c'est pas le soi qui donne l'impulsion, mais c'est peut-être en fait ce que t'as autour. Enfin, est-ce que c'est vraiment ma valeur première ? J'en sais rien, mais c'est un truc que j'essaie de creuser en ce moment, tu vois. Dans l'ouverture à l'autre, on se trouve, mais on se présente aussi. Il faut donc essayer de se définir. Quelle serait la question que je pourrais poser ou l'information que tu pourrais me donner pour que je me rapproche le plus possible de la compréhension de qui tu es, toi ? C'est dur, ça. Je dirais que j'essaie d'être entier, tu vois. Et donc, quelqu'un qui s'efforce de faire ça, tu vois. Qui est curieux et qui essaye d'être authentique et entier. On se définit aussi par nos expériences, comme les anecdotes d'explorateurs de Gabriel en Amazonie. L'eau du café, ça vient d'où, tu vois ? Et le mec, ils étaient là, genre, bah, du fleuve, tu vois ? Donc j'étais face à un choix. Soit je reste avec eux jusqu'à la fin du voyage, mais je défais qu'au printemps du voyage, tu vois ? C'est pas possible, tu vois ? Et tous les soirs, on s'arrêtait chez des tribus locales, quoi. On dormait... dormais dans des hamacs. Et ça, t'avais rien prévu tout seul ? Ah non, bah moi je savais juste que si je partais de ce village-là et je suivais le fleuve, j'arrivais jusqu'à Laetitia. C'était tout, c'était juste ça. Mais pareil, j'avais un peu suivi mon instinct, comment est-ce que tu fais ? Je sais pas si je deviens de plus en plus con ou au contraire éveillé à me laisser porter et voir où ça me mène, mais les signes semblent confirmer que mon instinct me dirige au bon endroit. Agis, tu fais de ton mieux, tu fais ce que tu peux faire. Ouais, c'est ça. Mais tu t'attaches pas au résultat de ton action et... T'as rien de plus que... T'as un petit cerf-volant, quoi, tu vois. Donc tu vas là où tu peux, mais... Tu peux pas non plus... Ouais, c'est ça, tu peux pas lutter contre les bourrasques, surtout ici, quoi. Je continue de suivre les signes au point de tomber par hasard sur un expert de l'amour qui s'y dévoue comme un religieux. Pour parler d'amour et de ton thème de la semaine, et bah t'es bien tombé ici. Bah ouais, mais tu sais comment je suis venu. En fait, depuis le début de mon arrivée à Marseille, et même avant ça, à Aix, je me suis dit, je vais aux endroits qui parlent d'amour, tu vois. Je me laisse guider par l'amour. Et donc, la première fois, je suis tombé dans un bar parce que j'écoutais, et ça passait, « All you need is love », je me suis posé, tu vois. Après, j'ai continué, j'ai rencontré des gens, machin, machin. Là, je suis arrivé là parce que je lisais dans la rue, « Amour, désir, tout ça ». Seul l'amour peut créer une société heureuse. Bon, bah, on s'arrête là, mais le monde de merde dans lequel on vit aujourd'hui. L'amour, au sens noble du terme, qui est un amour d'effort. Pas l'amour romantique. L'amour, c'est un sentiment mêlé qui est très, 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 très complexe. Mais c'est la base de tout. Tant que ça reste une conversation d'individu à individu, c'est cool. Ouais. Et ce qu'il me disait, moi, j'adhère. Y a pas de souci. Le devoir de l'être humain, au-delà des guerres, de nos jalousies, de nos peurs, de nos phobies, de nos petitesses, il n'y a qu'une solution, c'est l'effort d'aimer. Mais je ne vais pas aller les rejoindre en manif ou tu vois, distribuer des flyers pour eux, quoi. Le propos de Colin était sensé malgré ses aspects sectaires, mais j'étais surtout surpris de constater une coïncidence de plus et l'écho de conversations précédentes. Mais on peut aussi la connecter à la notion d'anarchia. Là, c'est du grec ancien, qui rejoint aussi, c'est le langage d'Aristote. En philosophie, qui parle de kairos, de bon moment. Do you know the word kairos? Mm-hmm. Yeah. Je suis un univers, tu es un univers. Nous sommes co-créateurs de ce monde. Mm. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aimer. Le lendemain de cette rencontre, nous tournions sur Rémi, le seul autre membre de la fanfare que je devais voir depuis Avignon, et qui surgissait au hasard dans une ville d'un million d'habitants et deux fois la superficie de Paris. Tu prends la peine. Je l'ai récupéré sur le barbouze de Bagnos. J'ai jamais testé d'appeler un voyant. Non, on l'avait fait. Quand... J'étais en mode, ouais, pas de soucis. Venez à mon cabinet, venez à mon cabinet.
Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Se fermer pour que j'y vois plus clair. Une artiste locale que je suivais depuis un moment organisait un concert de sortie d'album. Je savais qu'elle impulserait un moment de communion artistique et d'amour dans la veine de ce que je recherchais cette semaine. Avec ses airs d'alien, sa mise en scène et ses textes, on aurait pu voir une sorte d'ange ou un être en mission. On m'a fait une release l'an dernier, on était 130, j'avais tous les potes. Mais là c'est plein quoi, il y a autant de gens que je connais que de gens que je connais pas. Ça tue sa mère. Ceux qui me connaissent, ça, on va le faire les gars. Leur projet prenait vie grâce à leurs efforts communs et on pouvait sentir leur trajectoire s'aligner grâce à cette forme d'amour fait d'engagement. Oser, ça fait longtemps que je fais du son, les gens comprenaient pas trop ce que je faisais, mais moi je savais pas trop vraiment où j'allais, parce que ce que je fais c'est un peu décalé. L'important c'est d'agir, c'est d'être et de faire. Mais la preuve est que vous commencez à comprendre et que bah, c'est ça, la musique. Parce que c'est en faisant le mal qu'on peut comprendre que, ah merde, là il faut, faut retourner vers le bien. Mmh. Mais si tu fais rien, bah, tu fais rien. Bonjour. Bonjour. Mon ami doit se rendre à l'aéroport. Donc un aller simple. Aller simple. Allez, donc 10 euros aussi. Un carrefour en espèce. Early morning wake up, a cigarette and black coffee. Becca's leftovers, a cigarette for lunch too, while I wait for Kevin to return my call so we can eat and talk about the year. How I got so destroyed this year. How it is possible that we are all in this together. I think of art to be destroyed and awakened by something from the other side. The artist as prophet. I think of prophecy. I think of when you called me prophetic, an offhand comment, but you meant it. I feel all my fears and projections. I temper myself. I pull the temperance card nearly every time. The people I have loved, we have stained each other, blue and red and ochre, in such a lonely world. I think of the one sentence I hung my hat on. This is just for the present. I know things change, but I also know things change. So I live only half in hope. I don't know who you are, but perhaps not a prophet. Je viens de déposer Jeanne au bus pour aller à l'aéroport. Voilà. Je sais pas si je la reverrai un jour.